Bonjour, je suis Vanessa Delastérie, thérapeute. Je pratique la sophrologie, l'hypnose et la méditation pleine conscience. J'exerce en cabinet dans le 8e arrondissement à Paris. C'est un audio d'une dizaine de minutes à écouter en famille quand vous le souhaitez et aussi souvent que vous le souhaitez. C'est un moment de partage où chacun est calme et posé. N'hésitez pas à échanger vos impressions, vos ressentis, ce que vous avez vécu pendant ce moment. C'est aussi de la matière pour continuer à communiquer ensemble, sur des sujets plus légers que les contingences quotidiennes par exemple. Petit rappel, à ne pas écouter pendant un moment qui requiert toute votre attention, comme la conduite par exemple ou dans les transports. Nous allons commencer. Tout d'abord, installez-vous dans une position confortable. Cela peut être assis ou allongé, peu importe. Une position dans laquelle vous vous sentez bien. Pensez à caler votre nuque pour éviter les tensions au niveau du cou. Prenez maintenant une profonde inspiration et lorsque vous expirez doucement, vous pouvez fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. Et reprendre ensuite une respiration normale, à votre rythme, une respiration tranquille. Concentrez-vous maintenant sur votre tête. Les traits du visage se relâchent. Les sourcils se défroncent. Les mâchoires se desserrent. La bouche se détend. La langue peut légèrement se décoller du palais et reprendre une position naturelle. La nuque s'assouplit. Vous savez, quand on se détend comme ça, souvent les épaules s'abaissent un peu. Et les bras se relâchent automatiquement. On peut aussi avoir la sensation que les vertèbres, que les muscles du dos se ramollissent, se laissent aller. Une sensation de relâchement très agréable qui se met en place. La respiration s'adoucit et plus paisible. Elle se cale sur un rythme très agréable, un rythme lent, un rythme régulier comme un doux bercement. Le corps ressemble à un lac très calme, très lisse, très paisible, parfaitement détendu et de plus en plus profondément. Imaginez maintenant un moment en famille que vous avez particulièrement aimé. Un moment de partage. Un moment où vous étiez bien, paisible, heureux. Un moment drôle ou émouvant. Cela peut être un moment très particulier ou un mélange de plein de moments, peu importe. Laissez-les venir comme ils le souhaitent, sans forcer, sans les chercher. Même si cela peut paraître un peu flou au début, ce qui compte le plus, c'est de se laisser porter. Ces souvenirs savent très bien faire pour remonter à la surface, pour être plus présents. Cela peut être une image, des impressions, un fou rire, un moment de grande complicité, de tendresse, de partage. Cela peut être une discussion. Une partie de jeu de société, un repas en famille, des vacances, une sortie au cinéma par exemple. Un moment très agréable, un peu en dehors de tout, comme une bulle de bonheur, de bien-être. Un moment où vous étiez ensemble, en famille. Observez ce moment, ce qu'il y a autour de vous, les personnes présentes, leurs visages, leurs expressions, l'environnement, les couleurs, les sons aussi. Pendant qu'une partie de vous recrée cette scène en détail, une autre partie peut ressentir ces sensations, cette joie à l'intérieur. Ces souvenirs qui rappellent ce bonheur, ce plaisir à être ensemble, en famille, comme une bulle de bonheur. Je me demande ce que vous ressentez lorsque vous pensez à ces moments. Souvent, c'est comme si on y était. Peut-être que l'on n'a pas toujours les mots pour les décrire, mais ces sensations de bien-être, de joie sont là à l'intérieur, bien présentes. Ces moments ensemble, ces moments où on se sent une vraie famille. Et si on imaginait revivre régulièrement ces moments, et pourquoi pas même en créer d'autres après tout de nouveaux moments, de nouvelles bulles de bonheur dans lesquelles on se sent une vraie famille, heureux d'être ensemble. Comme si dans chaque bulle on soufflait de la bonne humeur. Vous savez, comme lorsqu'on souffle des bougies sur un gâteau d'anniversaire, par exemple. C'est un moment de fête, un moment joyeux, avec de grands sourires, des rires, des applaudissements et des cadeaux aussi. C'est vrai, c'est agréable de recevoir des cadeaux. Cela montre que les gens pensent à vous, qu'on a envie de vous faire plaisir. Et puis je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait plaisir de faire plaisir aussi. ne pas faire régulièrement des cadeaux entre vous. Comme si chaque cadeau était une nouvelle bulle de bonheur. Cela peut être une bulle de fou rire, une bulle de complicité, une bulle de gentillesse. Comme si plein de bulles différentes de bonheur se créaient à volonté autour de vous. Et puis, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais ces bulles de bonheur peuvent être créées à l'infini. Elles n'ont pas de limite. C'est comme si juste là, en se rappelant de ces bons moments en famille, quelque chose se passait à l'intérieur. Comme si à partir de maintenant, cela va être très facile de créer ces bulles de bonheur. Comme si elles allaient se créer de manière automatique, comme un réflexe. Vous savez, on peut même s'amuser à nommer ces nouvelles bulles, leur donner un nom pour encore mieux s'en rappeler. Cela peut être la bulle des vacances. La bulle de la plage, celle de la montagne, la bulle de la blague, et pourquoi pas aussi la bulle de la grimace. Comme des noms de code entre vous. Des noms de code connus seuls de votre famille. Un secret. Une jolie famille entourée d'une multitude de jolies bulles de jolies bulles de bonheur que l'on peut décliner à l'infini. Vous pouvez maintenant et à votre rythme doucement vous reconnecter au son de ma voix que vous entendrez peut-être un peu plus fort, au bruit extérieur s'il y en a. Prendre conscience de la position de votre corps, de l'endroit où vous êtes, de ce qui vous entoure. Commencez à bouger doucement votre corps, bougez un peu vos doigts, vos mains, vos jambes. Prendre une profonde inspiration et souffler par la bouche et reprendre ensuite une respiration normale à votre rythme. Et vous pouvez à présent rouvrir les yeux ou les garder fermés pour prolonger cette expérience de détente en famille. C'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez bien sûr, comme indiqué précédemment, réécouter cet enregistrement autant de fois que vous le souhaitez pour replonger dans cette expérience en famille. A très bientôt.